Je sais que le vieux là n'est pas là au bout. Hé, hey, le vieux! Hey. On est arrivé! Mais Hedi! Ouais, le vieux! Ça va? Oui, ça va! Ah, oh, t'es bien habillé, hein? Ouais, ouais! Ah. J'ai échangé! Ah, oui, d'accord! Ouais, ça va? Oui, oui, je venais te saluer! Mais comme. Tu es venu, mais ça va à lui! Oui, oui! J'ai trouvé que la cour est calme, donc je partais comme ça! Attends, attends! Ça, c'est quoi ça? Non, c'est mon habit! C'est mon habit! Maintenant, tu vois, c'est à cause du soleil là, moi je n'aime pas trop m'habiller. Hein, tu, sinon c'est. Hé, hé, faut que je t'habille. Je dis ça, c'est quoi, tu dis que t'as bien. Est-ce que j'ai dit ça? Je dis ça! Quoi ça? Tu vas voir quelque chose. C'est pantalon, il est porté, pantalon. Ça là, souvent. Ça, hé, ça là. Hé! Comment tu t'es arrangé et t'es accroché sur moi comme ça? Comment accroché comment? Voilà. C'est comme ça que vous vivez. Venez pour voler chat de. Non, c'est pas voler. Vous voulez me manger. C'est ça. Vous voler des. Moi, mais c'est pas ça. Chat, c'est même pas chat. C'est chat à toi. Hein? Mahaladi. Tiens. Quoi? Tu es malade. Dépose-moi. Au chat, ouais. Toi, tu me salues comme ça. Non, le. Vous voler des chachas à toi. Il y a des bons. Vous voyez. Et puis lui aussi, il dort. On vient voler, comme ça, tu dors. Mahalo que le dodo, Robin. Lui là, et puis. Pourquoi encore ici? Je vais mettre ça à toi. Il est là. Tu es sûr qu'il n'est pas parti à la mosquée? Non, il est là. Il est là? Il n'y a pas longtemps. Il m'a limé. Mais c'est lui qui a arrêté. Voilà, c'est lui. C'est lui. Toi, quoi ici? Non, monsieur, vous n'allez pas continuer dans ça? Vous n'allez pas continuer dans ça? Attends. Non, ce pays est régi par des règles. Si tu savais ce que lui là, il est venu faire chez moi ici là. Mais ça ne te donne pas l'autorisation de lui porter couille. Mais c'est toi, tu as vu. Mais. Tu as vu le. Mais déjà, on a vu, tu as commencé à le menacer. Quelqu'un qui vient pour voler. Il a volé quoi? Il a pas volé. Tu as volé? Il est venu te maman, a dit. Non, il n'a pas volé. Écoute-moi. Il est venu pour saluer, pour te saluer. Non. Il est venu. Toi, tu n'étais pas là. Il est venu. Moi, j'étais même pas là. Et c'est ce qu'il a dit. Attends, on s'est croisé au taille. Il avait mon chat de ça. Il est venu prendre sa vie partie. C'est quand il m'a vu, il est venu, mais ça sera. Non, c'est chat là qui s'est accroché à moi. C'est chat de quoi? Moi, je savais pas qu'il y avait un chat sur moi, mais il n'a même pas vu. Mais le chat le connaît pas. Il a jeté. Mais le chat le connaît pas. Il est venu. Voilà. Il a mis le chat là comme ça. Non, laisse-moi, mec. Ah bon, t'as vu? Toi, tu me crois, on n'est pas. Tu as vu, laisse-moi, mais le chat le quoi? On n'est pas. C'est ça. Mais si le chat ne le connaissait pas, le chat ne pouvait pas être accroché à celui. Mais il a pris, il a caressé. Bon. Tu sais, le chat, il est comme un mouton. Bref, on ne va pas continuer dans la verbologie ou bien dans le verbiage. Et pourquoi? Écoutez, on ne va pas continuer dans la verbologie ou bien dans le verbiage. Il est venu me voir. Ouais. Moi, je me présente. Je suis le docteur Tom Paraya, Imanishbida Pokon Bonida. Donc, il est venu me voir. Il est venu me voir et pour une consultation. Je ne sais pas prononcer ton nom là, mais je ne peux pas prononcer ton nom. Pas. Je ne sais pas. Toi, ton nom là. Oui. C'est quel nom? Quelqu'un nom. Yaïmia, Ishmita Kokorubuyi da Chompara. Ah, putain, c'est ça qui est le nom. C'est ça qui est bon. Il n'est qu'à répéter. C'est ça? Non. Tu ne vas pas gâter mon nom. Non, je ne vais pas gâter. Après l'avoir bastonné,
après l'avoir donné des coups et des blessures. C'est pas donné des coups et des blessures. Et donc il est venu me voir. Mal. Non, j'ai senti, mais j'ai fait la consultation. Toi, tu as senti? Oui. Il est venu me voir à l'hôpital. Et après la consultation, on a vu qu'il est blessé. Et donc, il a une incapacité de 21 jours. Donc, je suis venu avec le certificat médical. Lui, je le vois traîner dans le cac. Non, c'est pas moi. Il a déjà fait le sang. Monsieur Fof. Oui, mais c'est quand il s'en va au travail que tu le vois. Quand il travaille. Non, il va à la gare. Oh. Il travaille à la gare. C'est pas ce que tu m'as dit. Oui, il travaille à la gare. Alors, il va à la gare. Il travaille à la gare. Quel gars? Lui, là. Je dis c'est papa Hadouya, il va Hadouya dans le caca. Attends ici, on le voit. Mais monsieur, qu'il vadrouille, qu'il ne travaille pas, qu'il est comment, qu'il est n'importe quoi, ça ne vous autorise pas à lui porter main jusqu'à ce qu'il y ait des coups donc, et des blessures. Donc lui là, toi, a venu pour voler mon. Il n'a pas volé. Donc parce qu'il a pris ton chat que tu dois lui porter des coups jusqu'à ce qu'il soit blessé. Parce que s'il n'a pas attrapé, il partait pour maman. Il dit il n'a pas volé. Lui-même, tu m'as dit. Il dit. Mais comment toi, tu peux croire que quelqu'un, toi, tu n'étais pas là? Oui, mais parce que. Je suis le vrai propriétaire de ça. Je te parle. Mais moi, je suis le médecin. Je l'ai constaté. Et j'ai constaté qu'il y a des coups et des blessures. Il n'est qu'à me soigner. Et donc, je suis venu avec un certificat médical d'incapacité de 21 jours. Et donc, tu dois payer ces 21 jours. Ça, c'est quoi? Combien? Chaque jour, normalement, tu gagnes combien? Chaque jour, là, s'il n'y a rien eu là, c'est 20 000. Sinon, 15 000, 20 000, 15 000. Souvent, même, ça monte. Bon, peut-être, ce qu'on va faire, c'est un vieux. On va prendre 10 000 par jour. J'ai pris le téléphone. Ah, il était là-bas. Vous allez le prendre.